We've got gun. both left front. Right. Dixie left, Key left. Mercedes, wide chip Ricky. Bieber left, 75, Katie, Omaha. We good? Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 377 du podcast Jean L'Acturne. la suis très heureux de vous retrouver pour la preview de la dixième semaine de la saison 2020 en NFL. Oui, déjà dix semaines. A mes côtés pour parler de tout ça, il y a Grégory Richard. Bonjour Grégory. Salut Alain bonjour à tous. Dixième semaine de NFL, on l'a dit Grégory, on arrive à la mi-saison. C'est l'heure donc de remettre les trophées de mi-saison. On va parler MVP, joueur offensif, coach, coach joueur défensif, rookie, comme back de l'année, tout ça, tout ça. On se tournera ensuite vers une rivalité de division avec l'affiche entre les Rams et les Seahawks. C'est l'affiche de la semaine. Ensuite, on reviendra évidemment sur les pronostics à venir de la semaine et puis vos questions. C'est parti. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur tajounactu.com. Déjà 9 semaines de une en boîte. Je ne sais plus combien ça fait de matchs ou quoi. faire une 150 cinquantaine de matchs normalement. même plus, 200 matchs. Oui, il me semble qu'on a passé la moitié des matchs de la saison euh, oui, le week-end passé. Ouais. c'est ça, on les a passés. Mais du coup, comme je suis pas très bon en maths, tu vois, faire deux têtes, 9 semaines fois 16 matchs, moins les by-weeks je, je suis un littéraire également, Alain, tu devrais le savoir. Ouais, là, du coup, euh, ouais, on doit être un <laughs> peu en dessous des, <laughs> des 150 matchs, quelque chose comme ça. Bon, bref. Les trophées de mi-saison, donc, Grégory, il est l'heure de les remettre. Le but, c'est vraiment de couronner. Euh, ce... Alors, ce n'est pas de projeter le MVP, hein, c'est de, de dire qui est le MVP si on s'arrête à l'instant T, on est d'accord mm -hmm. Oui, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Très bien. Non, ça, ça permet de clarifier pour, pour nos auditeurs également. On va commencer évidemment avec le, le trophée euh, roi de la catégorie, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de suspense, euh, à moins que tu me fasses mentir hein, sur le MVP de la saison régulière après 9 semaines. Ça semble quand même être Russell Wilson. Ah, il y a Alors, un débat dans le débat. Alors, je t'avoue que je me suis vraiment gratté la tête parce que. Euh, la saison de Russell Wilson depuis le, dé... enfin, depuis le début, voilà, c'est vraiment stratosphérique. Il n'y a rien à dire. Il porte vraiment Seattle à bout de bras depuis le début de la saison. C'est difficile de... de remettre ça en question. Maintenant, c'est un peu la même, la même interrogation que tu as par rapport à Drew Brice pendant que Peyton Manning jouait. C'est-à-dire que ouais Russell Wilson, il est énorme. Mais si tu regardes les stats d'un Patrick Mahomes, par exemple, si tu regardes, il fait combien 25 TD Une interception depuis mmh. le début de la saison. Alors c'est une seule interception, il me semble que c'était contre les Raiders, dans hein, le seul match que les Chiefs ont perdu. Mais c'est quand même un match où il met 30 points à ce moment-là. Donc, certes, l'un a l'avantage d'être mieux entouré que l'autre, mais à mon sens, en tout cas, au moins d'un point de vue coaching. Mais c'est ça qui m'a fait un petit peu hésiter entre MVP, joueur offensif, tout ça, tout ça. Alors, voilà, moi, c'est ce que j'allais te dire. Les deux catégories sont liées de toute façon la plupart du temps. Et du coup, on a un peu les mêmes réflexions. C'est-à-dire que moi, je renvoie ça au sempiternel débat est-ce que le MVP, c'est le meilleur joueur de la ligue et du coup, je te dirais, Russell Wilson est le MVP au sens où il est le plus valuable, donc qui apporte le plus à son équipe, si on prend la, dé la, la définition. Et mmh. c'est pour ça, et du coup, je peux le dire tout de suite, moi, j'avais Mahomes en joueur offensif de l'année, en fait. Parce ouais, qu'il est l'arme ultime de la Ligue, meilleur quarterback de la Ligue, ça, c'est sûr. Mais je me dis que les Chiefs seraient meilleurs sans Mahomes que les Seahawks sans Wilson. Parce que on oui, dit parce ça... que tout ce qu'il y a autour, parce que Sur... la défense, parce que… Honnêtement, ça s'entend. C'est ouais, une réflexion. Je pense, pense qu'on peut prendre ça dans les, dans les deux sens. Après, moi, je t'avoue, c'est vrai que si je prends les huit matchs depuis le début de la saison, euh, alors certes, en effet, Wilson a besoin aussi de prendre plus de risques que Mahomes parce qu'il est vraiment encore plus dépositaire du jeu que son, que son homologue des Chiefs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au dernier nouvel, il est toujours euh, sur les traces potentiellement de battre le record de Peyton Manning hein, parce que c'est 28 gens en huit matchs. Euh, sachant que le record de Manning est à 55, si je me trompe mm. pas, en 2013. Euh, donc c'est c'est forcément euh, voilà le maître Wilson MVP c'est tout sauf farfelu. Après encore une fois moi ce qui m'embête c'est que si je regarde si je prends l'ensemble des matchs, malgré malgré en effet les responsabilités des uns et des autres, il euh, y a un demi match où Mahomes passe à passe à travers c'est ce que je disais c'est celui contre Las Vegas, euh, le début de match notamment et il y a deux matchs qui jouent contre Wilson c'est celui à Buffalo où il fait deux interceptions de fumble et c'est celui à Arizona où il fait trois interceptions, dont l'interception d'isaiah Simmons, pardon, je vais y arriver, euh, qui est fatale aussi aux. Alors après, voilà, c'est pas, pas dire que sa saison est mauvaise mais c'est sûr que après tu compares et moi je suis plus allé vers un Mahomes MVP un et un Russell Wilson joueur offensif mais encore une fois je comprendrais parfaitement la logique inverse ah oui donc inverse pour le... là si on doit voter tu vois que la NFL te dit tu as un vote toi tu fais l'inverse de ce que j'ai fait c'est-à-dire tu mets Mahomes MVP Wilson joueur offensif oui oui tout à fait ouais. d'accord ah oui ouais mais tu vois c'est pas encore une fois c'est pas val ouais parce que j'aurais tendance à penser que Pur joueur offensif, Mahomes, c'est un meilleur joueur que Will. Ben, oui, mais alors, moi, moi ça rejoint. J'essaie d'être un minimum cohérent dans ce que je dis, parfois c'est difficile, mais c'est vrai que ça rejoint un peu ce que je disais, ce que je disais le mardi, avec le, notamment le, le play call un petit peu douteux de Kansas City, c'est que, encore une fois, oui, l'environnement autour de, autour de Mahomes c'est beaucoup plus. Saint, je dirais, pour s'épanouir que celui autour de Russell Wilson, sauf que bah, même, quand le... même quand, en l'occurrence, sur le week-end dernier, quand sa City, à mon sens, en tout cas, les appels de jeu sont pas bons, il mmh. y a un joueur qui est capable de, de cacher ça. Donc euh... Mais je te dis, c'est compliqué. J'aurais très bien pu mettre, mettre Wilson MVP, mmh. mais encore une fois, il y a ces deux matchs, encore plus, je trouve, celui d'Arizona qui m'embête un petit peu dans l'équation mais c'est pas du tout en mettre en cause le talent du joueur et voilà, c'est le syndrome Manning-Boris, mm. où l'un n'a pas eu d'MVP et l'autre en a eu 5 quoi, ce qui paraît un petit peu injuste euh, en termes d'historique Non mais tu vois, encore une fois, moi je, je suis plus sur Mahomes valuable encore je le répète, parce mm. que justement les deux matchs qu'il joue contre lui, c'est des matchs où il fait des erreurs et clairement, et ça montre à quel point il doit être à bloc en permanence comme on l'a dit sûr, mm. pour que Seattle gagne, et, et je trouve que c'est ce qui fait toute sa valeur, euh, et, et en fait Mahomes encore une fois, ce n'est pas contre lui, c'est un joueur exceptionnel, il est au-dessus. Mais on a déjà vu que les Chiefs et Andy Reid pouvaient faire marcher tu vois, sans Mahomes et qu'ils gagneraient des matchs. Est-ce que Kansas City, tu vois, n'est pas une équipe à 50% de victoire, par exemple, aujourd'hui sans Mahomes, avec un quarterback lambda type Alex Smith à l'époque où il était à Kansas City Peut-être, alors que les Sioux sont Wilson à l'heure actuelle, à mon avis, vu la défense qu'ils ont, s'ils ont ouais, en pas de, de toute façon, c'est euh... sûr. Mais c'est pas la première fois qu'on en parle. Je, je suis persuadé que de toute façon, John Schneider et, euh, et Pete Carroll organisent leur équipe en sachant que de toute façon, Wilson mmh. euh, va faire une telle partie du boulot qu'ils peuvent se permettre éventuellement de, avec des grosses guillemets, négliger la ligne offensive, même si elle est moins pire. C'était pas dur que ces dernières années. Euh, mais oui, non, c'est sûr. Euh, encore une fois, la définition du joueur valuable, je, je l'entends dans ce que tu me dis. Hein, je... Je te dis franchement, dans ma réflexion, c'est du 51-49. Ce hein. C'est pas plus que ça. Eh bien, c'est bien. Ça partagera les votes. Euh, donc, Russell l. Wilson, MVP de mon côté, et Patrick Mahomes pour toi. Et on l'a dit, on ne va pas revenir du coup sur le joueur offensif. On inverse. Donc, euh, mm -hmm. Wilson est joueur offensif pour toi, ce sera Patrick Mahomes. Euh, de mon côté, on... Bah, comme on a fait joueur offensif, on va faire joueur défensif. Tiens, euh, est-ce que. Alors là, c'est pareil. On est dans un truc où il y a le syndrome de l'ennui du votant. C'est-à-dire que, parce que dans les faits, tu peux voter pour tout le temps le même. Personnellement, ouais. c'est ce que j'ai fait, c'est Aaron Donald. Ah bah écoute, alors je t'avoue, il y a deux noms qui se sont euh, qui se sont disputés forcément. Des habitués un petit peu, c'est euh, Aaron Donald et T.J. Watt. Hum. Euh, T.J. Watt, qui est tenant du titre d'ailleurs, je vais pas me tromper. Euh, je sais plus qui il l'année dernière. C'est possible, tu mets un doute. Oui, je, vais je sais plus vu le niveau des Steelers de l'année dernière, ça m'étonnerait pas que ce soit lui, mais euh, j'ai un gros gros doute là-dessus. Euh, moi, je t'avoue, franchement, là, je vais le dire très clairement, c'est un choix du cœur. Vas-y. C'est Stéphane Gilmore. On va se faire taper sur les doigts par les supporters des Oh, Patriots. Pardon, bah autant pour moi. Autant pour moi. Je, ça m'était totalement sorti de la tête. Pardon. Mais c'est justifié, vu le niveau de la défense des pattes l'année dernière. Euh, petit oubli, en l'occurrence, euh, je suis allé vers la défense des Steelers quand même. Mmh. Euh, parce que pour moi, même si les Rams prennent moins de points, ils ont à mon sens une, une adversité un peu moindre. Euh, depuis le début de la saison. Euh, et c'est pour ça que j'ai choisi d'aller plus vers Pittsburgh avec les succès, notamment référence à Tennessee et Baltimore. Et je ne suis pas allé vers Watt. Euh, j'ai préféré euh, mettre une pièce sur, sur Minka Fitzpatrick. Euh, qui malgré tout, déjà parce que je trouve qu'on met pas assez, alors j'allais dire je trouve qu'on met pas assez les defensive backs, encore plus les safety, parce qu'en l'occurrence c'était un corner qui était défenseur de l'année euh, la saison passée. Euh, mais voilà, c'est une position qui est pas assez mise en avant dans la ligue moderne. C'est quand même un poste qui prend de l'ampleur. Hein. Il y a de plus en plus d'équipes avec euh, des formations à trois safety, donc c'est vraiment un, un rôle qui est devenu prépondérant en NFL. Et on voit déjà que depuis son arrivée du côté de Pittsburgh, la défense des Steelers est transfigurée. Et on voit aussi que sur les dernières semaines. Il euh, y a des actions décisives, notamment à Baltimore et à Dallas, euh, dans les dernières secondes. Donc euh, voilà, sans remettre en cause, là encore, le rôle d'un Ron Donald chez les Rams ou encore plus celui d'un TJ Watt qui est extrêmement polyvalent. Dans cette défense de Pittsburgh, ça me paraissait important, euh, peut-être aussi de changer un petit peu l'équation et, euh, et de partir sur un sur un autre défenseur émérite, je trouve, de, de Pittsburgh, même si le danger peut venir de partout dans cette équipe. Ok, non, je bah, suis original. Moi, j'avoue que j'hésitais avec Tijewat euh, pour le, pour le mien parce qu'il est le symbole un peu de ce pass rush euh, hyper euh, conquérant de, de Pittsburgh cette année. Mais je te dis, moi, je retombe sur un Donald parce que bah, je veux pas tomber dans le euh, dans le ouais, mais il le prendrait à chaque fois. Donc, euh, on va voter pour un autre. Il a neuf, il a neuf sacs cette année. C'est tout. Depuis l'intérieur de la ligne, de la ligne, pardon, donc il est leader sur les sacs depuis l'intérieur de la ligne. Il, est, il peut éventuellement encore taper une saison à 20 sacs, ce qui est monumental euh, sur son poste. Mm -hmm. Donc je, je suis obligé de, de partir sur, sur Et la défense de la... des Rams ça a largement progressé par rapport à l'année passée. Plus. Donc ça, ça s'entendrait aussi. Ouais, Et en sûr. plus, le coach de l'année, je te laisse commencer. Bah écoute, j'ai choisi Brian Flores euh, des Miami Dolphins. Euh, C'est assez homogène cette année. Il n'y a pas vraiment un coach, on va dire, qui surperforme euh, plus qu'un autre avec le groupe qu'il a à sa disposition. Peut-être éventuellement un Kingsbury, mais de par l'intersaison d'Arizona, on pouvait quand même s'attendre à, à des résultats beaucoup plus positifs. Miami, je m'attendais clairement à une saison. Euh, de nouveau, de reconstruction, et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il y a des automatismes qui sont trouvés beaucoup plus vite. C'est très complet sur toutes les phases de jeu. Ça me paraissait difficile de ne pas mettre un Brian Flores en avant sur cette catégorie. Eh bien, écoute, tout pareil, tu as tout dit. Et, et moi, ce que j'aime bien avec Brian Flores, c'est que c'est un concept dingue embaucher un coach défensif qui fait du bon boulot avec la défense. Incroyable. Je veux dire, les Lions et les Falcons, ils ne comprennent pas ce qui se passe du non, côté de, non, non, non. de Miami en ce moment. Ils sont quatrièmes sur les points encaissés et, et tu l'as dit, ça joue sérieux et c'est dans la course au playoff. Donc c'est vraiment et, et en plus la confirma... ils la Il le mérite parce que c'est la confirmation de l'an dernier où déjà où on lui promettait l'enfer et ils ont quand même. Ils avaient été sérieux pendant toute l'année. Ils avaient arraché quelques victoires. Donc Brian Flores, à l'unanimité, le rookie offensif de l'année. Est-ce que c'est un duel Justin Herbert Joe Bureau j'en ai bien peur. Hein. Très franchement, là aussi, ça a été très très difficile de sortir un, un joueur euh, du lot. Euh, pff, honnêtement, je suis, je suis très excité par ce que je vois de Justin Herbert, mais euh, c'est un peu la même logique que pour Wilson. Je veux dire, quand on voit ce qu'il arrive à faire Joe Burrow avec la ligne offensive qu'il a, bon, c'est voilà, c'est bien aussi de le mettre en avant. Il justifie son premier choix de draft alors que beaucoup l'annonçaient comme un simple one year wonder du côté de LSU. Et voilà, on voit que de par sa faculté à se déplacer dans la poche, euh, euh, de par sa capacité d'improvisation et de par sa, sa précision, il arrive vraiment à faire un minimum sur un nager Cincinnati. Euh, je l'ai dit, je suis pas du tout fan des choix de Zach Taylor depuis le début de la saison, et je pense que sans un Joe Burrow, il serait dans le même état que la saison passée. Donc, ça me paraissait logique de le mettre en, en rookie offensif de l'année 2020. Sur les stats, ils ont tous les deux cinq interceptions, mais Bureau a 11 touchdown alors que Justin Herbert en a 17. Mm. Euh, c'est vrai que c'est tentant, enfin les deux, moi, sont tentants. C'est il... plus spectaculaire de la part d'Herbert, hein, mais euh, euh, il y a aussi deux fois plus de ça que je crois, pour Bureau. J'ai oui, mais il a tenté de 28 à 14. Tu, tu l'as dit, Bureau fait des choses avec beaucoup, beaucoup moins de matériel, même en termes mm. de cibles. Je veux dire, il y a Kinan Allen, il y a, des... il y a quand même... Des mecs qui se débrouillent. Edge euh, Green est quand même plus Edge Green sur, euh, sur Cincinnati. Euh, euh, Bureau arrive à créer une connexion avec des, des, jeux, des receveurs plus jeunes. C'est Higgins, si je ne dis pas de bêtises, notamment. Oui, ouais, bien. bien sûr. Euh, je l'avais mis pour Herbert sur mes fiches, mais tu vois, même en t'écoutant en, en, en parler, je, je serais mais, tenté de donner Bureau, mais, mais vraiment attention. dans un mouchoir. Quoi. Ouais, oui, mais ça, c'est pareil. Bureau est arrivé avec une grosse cote. Herbert, il y a beaucoup de points d'interrogation. C'est quand même un quarterback qui a été nommé titulaire. À un quart d'heure du match contre les Chiefs, enfin, euh, il joue quand même le champion en titre dans un match où il est pas censé débuter, et pourtant il est comme un poisson dans l'eau. Donc euh, franchement, là, c'est pour moi, c'est exactement comme Mahomes et Wilson. Franchement, que l'un ou l'autre l'ait je serais, je serais tout sauf euh, étonné. Quoi. Écoute, je vais donner Herbert. Je vais donner un peu Rookie défensif. Et alors là, c'est marrant parce qu'on m'avait posé la question dans le fauteuil euh, mmh. la, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Et je, je m'étais trouvé un peu bête et je m'étais dit j'ai pas mal, beaucoup de choix. Hein. Voilà, <laughs> à trouver des rookies <laughs> défensifs d'impact cette année. Oui, c'est ce que je me suis dit également. Ouais. Je t'avoue que là, euh, pour l'instant, c'est une classe qui a encore un petit peu de mal à faire ses preuves. Après, il y avait beaucoup d'attaquants, euh, notamment dans les, dans les premiers choix. Hein. Mmh. Au premier tour, il me semble qu'il y avait, euh, euh, à vue de nez, je dirais au moins trois quarts d'attaquants. Donc, euh, on s'attendait à ce que ce soit un petit peu la, la tendance, mais ouais, que les défenseurs pêchent à ce point-là, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Ouais. Est-ce que du, du coup, on se retrouve avec quoi alors C'était c'est quoi ton choix Est-ce que tu as réussi à en trouver bah, J'ai un peu pris le choix de la facilité. Euh, J'y suis allé sur Chase Young euh, defensive end de Washington. Ses stats sont pas dingues. Euh, je hum. crois qu'il a trois cinq et demi depuis le début de la saison, sachant qu'il fait un cinq et demi sur son premier match contre Philly, si j'ai hum. bonne mémoire. Euh, donc ouais, c'est pas c'est pas non plus fabuleux. Après. Même si statistiquement, pour l'instant, il n'arrive pas à accumuler des sacs, il arrive à mettre une pression et à être un des acteurs majeurs de cette ligne défensive et de cette défense en règle générale de Washington qu'on met en avant depuis le début de la saison. Donc, il y a d'autres noms que j'aurais pu mettre en avant. Je pense qu'avec un peu plus de régularité, un Patrick Quinn à Baltimore aurait pu être considéré. Euh, mais je ne le trouve pas clinquant sur toutes les sorties cette année euh, ce n'est pas, pas le cas de Young hein, mais en tout cas il, est, il a l'air il quand même beaucoup plus dissuasif dans son utilisation habituelle et c'est ce qui m'a incité à le mettre au pied défensif dans cette classe comme tu le disais qui n'est pas non plus euh, extraordinaire après 8, après 8 ou 9 sorties cette saison ouais, j'ai pris Young aussi euh, par, euh, par défaut entre guillemets parce qu'en plus il a été gêné un peu par des blessures et tout ça donc euh, c'est celui qui a donné le plus de signes prometteurs euh, sur euh, ce qu'il a Donner comme échantillon, donc euh, donc Yang aussi. On va attendre de voir s'il euh, y en a un, un là pour le coup. Tout basculer dans la deuxième partie de saison ouais, ouais. parce qu'il n'y a pas un dimanche favori. Hein. C'est ça. J'ai pas parlé d'Antoine Winfield, hein, le safety de Tampa, euh, qui est, est assez vrai. intéressant dans une grosse ouais. défense aussi. J'aurais pu, c'est vrai, vrai, mais euh, voilà. C'était pas c'est assez... bon. j'attendrai encore un petit peu pour me faire une idée. Mais oui, il fait un bon début de saison aussi. C'est vrai que je... c'est important de le, de le mentionner. Le comeback de l'année cette année il y a un peu plus de regards qui sont tournés là-dessus est-ce qu'il y a vraiment débat est-ce que on peut le donner à quelqu'un d'autre qu'Alex Smith bah c'est ça c'est ça. Ça, ça ça va être assez ironique de donner deux trophées à des joueurs de Washington vu la vu la saison vrai. globale de la de la football team mais ouais là malheureusement euh, ouais. on peut difficilement sortir du symbole euh, vu ce par quoi est passé Alex Smith euh, pour revenir au plus haut niveau bon là en on tout est cas, clairement on est clairement sur un, un trophée de participation quasiment parce que c'est pas comme s'ils avaient basculé non plus. Parce que d'habitude, le comeback, c'est un peu un mec qui revient et qui en plus fait un peu de la stat. Bon, là, il a un touchdown trois interceptions en deux matchs dans une équipe de, de fond de tableau. C'est bon. ça, mais bon, après, après c'est au-delà du symbole, tu vois, parce qu'il aurait très bien pu rentrer en fin de carton. On va dire, ah, il a pris trois snaps et là, on fait, oh bah, bah comeback player de l'année. Il va quand même malgré tout tenter d'avoir un rôle dans cette équipe de Washington en fin de saison, même si en effet il faut pas s'attendre à des miracles, même si l'essentiel est pas sa performance sportive en elle-même. Euh, voilà, ça reste quand même, euh, ça, ça va quand même symboliser encore plus l'aspect compétiteur du joueur, parce qu'il ne va pas revenir juste pour du beurre, et juste pour dire vous avez vu j'ai touché un ballon. Mmh. Ah ben bah, il est titulaire, c'est vrai que ça déjà, ouais, euh, on s'y attendait, pas. Ça, on attendait mmh. pas. On peut mentionner donc évidemment Teddy Bridgewater quand même. Bien euh, sûr. Revient de... <laughs> euh, bon, il n'était pas blessé ces dernières années mais il récupère un poste de titulaire. Donc comme les, les, les paramètres de ce, ce trophée sont à géométrie variable, on peut rentrer mmh. plein de gens. Euh, Cam Newton évidemment qui revenait de blessure. Mais alors lui pour le coup avait un... Comment dire avait un beau CV pour le, 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 le trophée au début de l'année. Mais comme ça s'est un peu écrasé ces dernières semaines avec New England, euh, clairement il, il touche plus Alex Smith. Rob Gronkowski aussi, même si c'est... Voilà, c'est pareil clair. Euh, et une mention, euh, on en avait parlé dans l'émission de mardi, je sais que Raphaël avait souligné sa performance, on avait parlé de Miami d'ailleurs tout à l'heure. Emmanuel Ogba, c'est quand même 7 sacs. Alors ouais. il n'a pas été blessé ou quoi que ce soit, mais ça n'a jamais été un joueur majeur. Alors je me dis, les critères sont tellement variables. Oui, oui non, bien sûr, bien sûr. Non, non, J'y ai réfléchi, c'est un, des... un des noms que j'avais en tête. Il y en a un que tu n'as pas cité quand même, voire deux, mais... Euh... Il y a peut-être Big Ben ou James Connor qu'on aurait pu mettre dans, dans l'équation. Peut-être plus Rottlisberger que Connor, parce que bon, malgré tout, c'est pas fabuleux ce que fait Rottlisberger mmh. depuis le début de la saison, mais en tout cas, il permet à cette équipe de, de Pittsburgh d'être beaucoup plus compétitive qu'elle ne l'était l'année passée avec la même défense. Euh, donc, ça peut également être un nom qui sort du chapeau. Voilà. Après, oui, comme tu dis, il y a tellement d'angles possibles. Tu vois, Alden Smith peut très bien être comeback pour l'année. C'est pourtant, euh, le, le niveau euh, atroce qu'a Dallas cette année. Donc, euh, voilà, mais bon, ça, ça, me paraît, ça me paraît assez cousu de fil blanc que ce sera a priori pour Alex Smith cette saison. Euh, aller dans une autre direction, ça m'étonnerait beaucoup. J'étais en train de me demander s'il n'y avait pas eu euh, déjà un trophée de, de comeback de l'année pour Ben Rothlisberger parce qu'il tu sais, avait eu son accident de moto ou quoi, mais euh, non, il n'a pas été. Euh... Il n'a pas été comeback. Ah de moi, je m'avance plus sur l'histoire. Hein. Je veux pas me fâcher avec d'autres supporters. Mais alors, il y, y a quand même des gros noms dans le, le comeback de l'année. J'étais en train de regarder. Il y a Tom Brady qui reçoit le, le trophée en 2008-2009 parce qu'il a son année euh, euh, derrière. Alors, je sais pas. C'est mal daté d'ailleurs sur Wikipédia. Je ne sais pas pourquoi ils mettent Tom Brady 2009 puisque sa blessure elle, elle est en 2007, donc en 2008. Ah, si, non, il a... elle est en 2008. Ils font, ils font super beau. L'année, la, la, ah, la, oui, la almost perfect season, c'est 2007. Il se blesse en 2008. D'accord, donc c'est la saison 2009. D'accord, donc euh, Michael Vick 2010, Peyton Manning en 2012. Ah, bah oui, il revient de sa blessure à la nuque. Ouais. Euh, Philippe Rivers l'a eu en 2013, Gronkowski en 2014, donc il y a quand même des gros noms. Hein. Ensuite, Keenan Allen, Andrew Luck, Ryan Tannehill l'an dernier. Voilà. De toute façon, dès que tu fais une année blanche et que tu reviens Parce que euh, pour le coup, Ryan Tannehill, tu parlais de géométrie variable, euh, il n'était pas blessé, il me semble. Ah, non, non, lui, pour euh, l'année d'avant. Il était juste, il était juste relégué au second plan à Miami et il s'est relancé par la suite. Donc oui, euh, oui, ouais, non, on peut, on peut mettre à peu près ce qu'on qu veut, pardon, dans cette catégorie. Tiens d'ailleurs, les gens disent Drew Brees n'a jamais eu de titre de MVP, c'est injuste. Eh ben il a quand même été comeback player de l'année en 2004. Ah, ça c'est un trophée. C'est ça. Donc mmh. il n'a il, 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 il a, jamais, il a pas toujours été oublié pour les trophées. Je me rappelais même plus, en 2004, c'est avec les Chargers qu'il est comeback player. Ouais, oui, oui, oui. Il est passé son et temps à se blesser avec les Chargers. Bizarrement à New Orleans, alors qu'il est plus vieux, il se blesse jamais. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est dingue euh, Voilà pour les trophées de l'année. L'affiche, c'est parti. On a parlé de Russell Wilson qui s'échappe et on a parlé de Aaron Donald qui met des sacs. Ça tombe bien. Rams 5 victoires, 3 défaites. Seahawks, 6 victoires, 2 défaites. On va avoir deux de nos candidats au trophée de fin d'année directement dans ce match. Alors, l'air de rien, les Rams sont à une victoire de reprendre la tête de la division puisqu'ils n'ont mmh. pas encore affronté les Seahawks. Donc, s'ils gagnent, ils reviennent au même bilan et ils ont une victoire en opposition directe. Ils ont quand même leur chance parce que Seattle est une équipe qui leur réussit très bien. Ils ont gagné quatre des cinq derniers matchs, et la seule victoire de Seattle sur les cinq derniers matchs, c'est un match gagné d'un tout petit point d'écart. Euh, Greg, tu me parlais dans la préparation de l'émission d'effet euh, bête noire euh, pour cette équipe de, de Seattle avec les Rams. Bah, en tout cas, euh, pour une équipe de Seattle qui est quand même très compétitive ces dernières années, c'est vrai que c'est rare d'avoir une équipe qui leur pose autant de difficultés. Je pense qu'il y a, a peut-être aussi Arizona, mais c'est uniquement euh, du côté du Century Link Field ces dernières saisons. Euh, par contre, c'est sûr que les Rams, même, de, même dans des années où on les intentait pas trop, euh, la fin de l'ère Jeff Fisher, c'est toujours une équipe relativement chiante. Pour Seattle, et encore plus, voilà, ça, on le répète, de par ce que tu expliquais, à savoir que la ligne offensive de Seattle reste la ligne offensive de Seattle, même s'il y a des, des signes encourageants cette année, et que, bah, face à eux, il y a quand même un, un, comment dire, une équipe qui est un peu plus complète, un peu plus capable de générer de la pression, notamment par l'intermédiaire forcément d'Aaron Donald. Et donc, c'est ça qui fait que, à partir du moment où on arrive à freiner cette équipe des Seahawks. Offensivement, malheureusement pour eux, c'est pas la défense qui peut, les, qui peut les sauver souvent cette année. Donc, c'est forcément un match-up à identifier et qui peut éventuellement. Enfin, qui mérite en tout cas le détour dans cette dixième semaine. Est-ce que tu penses que Jalen Ramsey peut ralentir, un indiquer Metcalf Alors En tout cas, il va, y avoir de la, il va y avoir de la viande de chaque côté parce qu'on sait que Jalen Ramsey, forcément, sa défense de prédilection, c'est des défenses très très physiques. Euh, contre la passe, les Rams depuis le début de la saison, c'est extrêmement correct. Hein. Il a globalement réussi à maîtriser euh, les receveurs qu'il avait face à lui cette année. Après, il avait avait Il est, il est quand même sur une sur une très très bonne pente. Je ne sais pas s'il y a d'autres receveurs qui ont marqué plus de touchdowns que lui cette année. Je, je Alors... sais est le deuxième receveur statistiquement en termes de yards. Il est deuxième sur les yards, gagné à la réception. D'ailleurs, il est 19ème sur le nombre de réceptions. Donc, on voit vraiment le, le potentiel explosif. Je voulais vous donner la stat pour situer. C'est que Metcalf, c'est 18,3 yards par réception en moyenne. Mm -hmm. En comparaison à un Davante Adams, par exemple, c'est 12,7. Donc on est à 5 cartes de plus euh, par réception. Après, euh, Seattle est... est très adepte du jeu profond. Hein. Voilà, mais euh, bon, après, il s'adapte aussi aux qualités du, oui, oui. du bonhomme. Et bonhomme. Puis, il, peut, mmh. il peut casser du placage, il peut même casser de l'humain, hein, accessoirement. Oui. Bon, il... <laughs> il prend tout. Hein. <rire> <rire> il passe euh, mais, mais est pas après prêt. Mais c'est vrai que c'est un match-up intéressant, parce que Ramsay est quand même un, un mec plutôt physique. Euh, là euh, Et puis, alors après, une des, des problématiques, tu l'as dit, c'est que il, il va falloir le, le temps que Metcalf aille au bout du terrain. Ou en tout cas en profondeur et on sait pas trop s'il va l'avoir une fois que Donald va commencer à transpercer cette ligne quoi. Bah c'est ça. Après voilà forcément les Rams, vont avoir besoin de leurs deux leurs deux stars défensifs forcément pour mmh. pour donner le là face à face à une telle attaque hein, euh, qui est capable de marquer des des wagons de yards des wagons de points surtout. Et euh, ouais non franchement Dikembe Mutombo ça va être un match-up très très important à surveiller avec avec Jalen Ramsey Même de l'autre côté un hein, Tyler Lockett depuis le début de la saison euh, c'est assez solide mmh. je crois qu'il a moins de 700 yards depuis le début de l'année en seulement 8 sorties. Euh, et face à lui il y aura un Darius Williams qui est euh, qui, qui surprend de manière très positive du côté de Los Angeles. Donc vraiment euh, le secteur aérien, euh, en tout cas quand Seattle aura le ballon, ça va être quelque chose à suivre. Ce sera sûrement de l'autre côté aussi, mais en tout cas du côté de Seattle, ça peut être très très excitant avoir ce duel entre receveur des Seahawks et, et, et backfield défensif euh, en règle générale des Rams. Et pour les stats, on rappelle que en effet les Rams sont en progression cette année. On l'a dit dans la première partie de l'émission, ils sont deuxième sur les points encaissés, cinquième contre la course, deuxième contre la passe. Donc mm -hmm. clairement, clairement, il y a eu des beaux progrès. Euh, cette cette année, pour Los Angeles. En attaque, on sait que les Seahawks, enfin en attaque pour les Rams, on sait que les Seahawks prennent l'eau dans les airs. Est-ce que Jared Goff peut le faire Ils ont relancé Josh Allen la semaine dernière, les Seahawks. A priori, ils peuvent relancer Jared Goff. Parce que c'est toujours la sixième attaque NFL, mine de rien, quand même, les Rams. Ben, c'est ça, et ils prennent pas beaucoup de sacs. Il euh, y a toujours cette, cette idée que j'évoquais euh, en début de semaine, le fait que Carlos Dunlap va peut-être aussi euh, commencer à s'intégrer un peu plus dans cette défense. Il y a un Jamal Adams qui revient également, euh, enfin voilà, qui, qui, était, qui était seulement de retour du côté de Buffalo, euh, qui va avoir un rôle important hein, avec le, notamment le backfield offensif des Rams, euh, ce, ce, ce comité de coureurs. Euh, où là, il va falloir vraiment euh, être, être performant face à un tel un tel run stop. Et c'est là où en effet il va y avoir plus ou moins de pression sur Jared Goff. Il euh, y a un groupe de receveurs qui est assez intéressant malgré tout, un Robert Woods qu'on utilise beaucoup sur des, euh, sur des tracés de job sweep, euh, un Cooper Cup qui, bien entendu, en termes de menace profonde, on parlait de DK mais je pense que l'ancien Distin Washington se place là. Euh, voilà, après, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'il y a une force de dissuasion suffisante du côté de Seattle euh, Est-ce que Quinton Dunbar sera au rendez-vous ça, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Je le disais, est-ce qu'un y a Jamal Adams pour le coup, parce que je l'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'il ne sera pas plus intéressant en termes de couverture euh, plutôt qu'à blinder un peu plus la boîte euh, C'est des points d'interrogation qui vont se poser, euh, surtout quand on voit l'intégration euh, importante des Tyden dans cette attaque des Rams. Un Tyler Higby notamment qui est assez intéressant depuis mmh. le début de la saison. Gerald Debrett qui revient de blessure et qu'on qu voit par intermittence, mais qui peut également faire mal. Donc voilà, il y a quand même des points qui interrogent dans le jeu aérien du côté de Seattle. Et là aussi, on se dit que du côté des Rams, s'il y a la possibilité de les contrarier dans les airs, est-ce que du côté de Seattle, il y a autant de moyens de contrarier cette, cette attaque qui est irrégulière mais qui est capable de faire mal sur une rencontre Rien n'est moins sûr. Est-ce que c'est obligatoirement un match ultra-offensif Parce qu'on est en train de dire qu'en gros, les Sioux ont du mal à stopper. À stopper cette attaque de Rond éventuellement du mal à stopper cette attaque des Rams. Euh, en face, bon, il y a quand même Russell Wilson, donc on peut supposer qu'il va trouver des solutions. Euh, voilà, enfin, voilà, ça, semble, ça ressemble à un match ultra-offensif. Est-ce qu'il y a vraiment une clé qui peut changer ça euh, Un match-up en particulier euh, bah moi en tout cas il y a un match-up que j'attends de suivre tout particulièrement. Je ne sais pas si c'est ça qui va déterminer le nombre de points, mais euh, on le disait, il y a un run-stop des Rams qui est meilleur, et il y a un groupe de receveurs de receveurs, de running back pardon du côté de Seattle. Euh, qui a quand même été tributaire ces dernières semaines, notamment de l'absence de Chris Carson. Et ça s'est tristement ressenti du côté de, de Buffalo, parce que même s'il y avait des revenants mmh. euh, sur les run roundstoppers des Bills, euh, Buffalo, depuis le début de la saison contre la course, c'était pas fameux, fameux. Donc euh, voilà, cette absence a quand même euh, a rajouté cette fameuse pression sur les épaules de Russell Wilson quand ne cesse de répéter. Mais euh, voilà, en tout cas, ça peut permettre. Euh, encore plus à Seattle d'être dangereux et de marquer un certain nombre de points. Je ne serais vraiment pas étonné. Je pense qu'on est à un même scénario que celui du Arizona-Seattle. Euh, alors je ne sais plus quel score, sur quelle source c'était terminé, mais euh, plus d'une trentaine de points de chaque côté de mémoire. Donc euh, très franchement, euh, oui, non, je pense qu'on part quand même sur un match. Je serais étonné qu'on ait moins de moins de 7 TD. Mm honnêtement, je pense qu'on peut, on peut partir sur au moins 7 au touchdowns sur, sur ce match-là. 37-34, le match d'Arizona-Seattle. Je pense qu'on on peut être à peu près dans cette, dans cette même mouvance. Ouais. Pronostic. Tu as donné le nombre de touchdowns, maintenant il me faut un vainqueur. J'irais quand même avec les Rams. Euh, je vais me faire des amis du côté de Seattle parce que j'étais le seul à mettre les bills la semaine dernière. <laughs> Mais en tout cas, voilà, ça rejoint ce que je dis depuis le début de la saison, c'est que cette équipe de Seattle, euh, même s'ils ont une attaque super un super on-stop, il y a encore quelque chose, il manque, selon moi, encore ce petit match référence, ce match signature. Ils peuvent l'obtenir du côté de Los Angeles, mais euh, voilà, je, les, je vois quand même la ligne un petit peu souffrir. Et en effet, cette défense encore contre la passe ne pas être capable de, de stopper durablement l'hémorragie, ça ne jouera pas à grand chose, hein, comme souvent sur les Rams Seahawks, mais j'y vais avec Los Angeles. Et eh ben Los Angeles, pour moi également, euh, sur les forces et faiblesses qu'on a présentées, c'est le, le pari qui me semble le plus sûr. On passe au pronostic. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division! It's our time to go win it! We're going to start fast and finish strong! Let's go! On 1, 2, three, work. Les pronostics de la semaine. Grégory, on va d'abord faire un petit point. Euh, prono sur les scores la semaine dernière, ça a donné 11 points pour Raphaël et pour moi-même, 10 pour toi et Raoul, 9 pour Camille. Au classement général, je suis, je suis prêt. je te prends un petit point. 94 euh, devant, ah bah d'ailleurs, Raphaël passe devant toi, 91, Grégory 90, euh, Camille 87 et Raoul 85. Donc Raoul qui pour l'instant euh, se dirige vers le gage qu'on ne fait plus. Donc, euh, je pense qu'il doit. Mais en fait, on a, on a eu un classement hebdomadaire un peu euh, symbolique du, du classement annuel pour l'instant. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, voilà. Donc, euh, Raoul doit frémir de, de peur de faire le, le, le gage qu'on ne fait plus. Euh, <rire> l... <rire> et qu'on n'a pas défini depuis trois ans, je crois. Euh, les pronostics, Greg, on, passe, on commence par le match qui aurait pu être une affiche de la semaine s'il n'avait pas été situé dans la nuit du jeudi au vendredi. Il est peut-être joué si vous nous écoutez vendredi matin. Titans, six victoires de défaite. Colts, cinq victoires, trois défaites. C'est la bataille pour la FC Sud. Force contre force avec l'attaque des Titans contre la défense des Colts, j'ai l'impression. Euh, T.Y. Hilton qui pourrait être de retour de l'autre côté pour l'attaque des Colts. Mais le force contre force, ça semble plutôt être attaque des Titans, défense des Colts. Oui, 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 très, très clairement. En tout cas, c'est les, les deux escouades respectives qui font la meilleure impression depuis le début de la saison. Euh, c'est la première confrontation entre ces deux équipes oui. hein, de formation qui se retrouvent relativement tard cette année et euh, qui devraient, de ce qu'on voit depuis le début de la saison, se disputer donc, la première place d'AFC Sud. Et c'est un match très indécis, euh, comme pour Seattle, en tout cas dans un degré moindre, hein, parce que voilà, les Seahawks en playoff euh, ont leur chance très clairement. Tennessee, j'ai encore du mal à m'enthousiasmer depuis le début de l'année. Ce n'est pas leur prestation à Cincinnati notamment qui m'a rassuré. Même le week-end dernier, on a vu qu'ils n'avaient vraiment pas grand-chose en phase 2 avec Chicago. Là, face à Indianapolis, je pense qu'il peut y avoir un peu plus de répondants et qu'en effet, ça peut plus se jouer en l'occurrence, malgré tout, sur l'attaque d'Indy contre la défense de Tennessee. Plus sur le côté entre guillemets, un hein, point faible contre point mmh. faible, ou en tout cas, euh, point moins fort euh, contre point moins fort. Euh, on voit que les Titans ont quand même du mal à générer de la pression depuis le début de la saison. C'est quand même pas de bol quand affronte la All-Line des, euh, ouais. des Colts, avec en plus, tu disais, le retour d'un T.Y. Hilton. Euh, alors, Desmond King a montré qu'il est capable d'être opportuniste avec son touchdown sur retour de Fumble, mmh. mais on attend encore un petit peu plus de space rush et de, backfeed, et de ce backfield défensif, notamment des cornerbacks de Tennessee. Euh, pour vraiment réussir à, à imposer leurs pattes sur cette ASC Sud, parce qu'en l'occurrence, il y a victoire, il y a deux matchs d'avance sur Indianapolis, et ça commence quand même à se sentir bon avec un calendrier qui n'est pas non plus ultra démentiel en fin d'année. Euh, j'ai beaucoup hésité, j'ai joué la sécurité en partant sur les Titans, mais je ne serais vraiment pas étonné qu'Indianapolis gagne ce match et qu'on se retrouve avec une égalité en tête de classement. Oui, c'est pareil, moi j'ai très peu confiance dans cette défense des Titans pour l'instant. Euh, il y aura déjà Devon Cluner qui doit revenir pour ce match d'ailleurs, euh, mais. Je vais jouer les Titans aussi sur la qualité des, des joueurs offensifs et sur l'impression de solidité qu'arrivent quand même à dégager euh, Tannehill, euh, Henry et Ed euh, depuis le début de l'année. Mais comme toi, je serais pas surpris que ça aille euh, dans l'autre sens. Et dimanche à 19h, Giants, 2 victoires, 7 défaites. Colts, euh, pas, pas Colts d'ailleurs, Giants, 2 victoires, 7 défaites. Eagles, 3 victoires, 4 défaites, Un nul. Bataille pour la NFC Est. Est-ce qu'on aura plus ou moins de 40 points cumulés selon toi Moins en tout cas, c'est ce qui paraît a priori le le plus logique sur les derniers sur les sur les deux Giants Washington. Euh, bon après je dis oui ça peut jouer à une quarantaine de points, mais bon on n'ira on ira pas à plus de 25 points de chaque côté. J'ai du mal à y croire en tout cas, surtout quand on voit le niveau des deux line depuis le début de la saison. Euh, donc ça me paraît un petit peu délicat. Euh, les Eagles sortent de bye week. Mm. Euh, C'est ce qui m'a amené à aller plutôt de leur côté, en l'occurrence, sur ce, sur ce match-là. On sait quand ils commencent à être de nouveau un petit peu refocalisés sur un objectif, ça peut être une bonne chose. Euh, après, il me semble qu'ils avaient gagné à l'aller de peu. J'ai un doute là-dessus. Euh, mais bon, je le dis, les Giants, depuis le début de la saison, euh, même quand ils perdent, ça ne joue à rien. Hein. Donc, franchement, sur ce match-là, qui joue à domicile, en, ayant un peu, en étant un peu regonflé à bloc après leur victoire du côté de Washington. Euh, je serais tout sauf étonné, victoire des Eagles quand même. Les Eagles ont gagné le match aller 22-21, euh, c'était il y a seulement trois semaines. Je vais donner les Eagles aussi. Euh, après, ce qui va être. À... Pour, en fait, pourrait y avoir plus, plus de 40 points parce que ces équipes perdent le ballon à un rythme hallucinant, oui. donc ça peut se perdre très facilement Et en bonne devant, position, les... Ouais. Voilà, devant les 10-20 yards adverses, euh, etc. Donc. Euh... Mais, mais Eagles aussi ça semble un peu plus solide en attaque, il y a un meilleur quarterback même s'il perd beaucoup de ballons, il a été intercepté 12 fois donc euh, et Brett Favre réclame sa tête quasiment. Donc, donc je vais dire Eagles quand même. Packers 6 victoires, de défaite. Jaguars une victoire, 7 défaites après l'équipe CD Niners la semaine dernière, les Packers devraient a priori vivre une nouvelle journée tranquille même si Jack Leton sera encore là pour les pour les Jaguars. Euh, bon, je pense que là c'est un des pronostics les plus simples de la semaine en tout cas sur le papier, ça semble être les Packers. Oui, oui, après ils avaient été surpris à domicile contre Minnesota, mais j'ai pas dans l'idée que James Robinson soit au niveau de Dalvin Cook cette année. Donc euh, oui, on va partir sur, sur Green Bay euh, cette saison. Il n'y a plus grand chose à espérer du côté des Jaguars euh, en cette fin de cycle. Euh, Packers pour moi aussi Lions 3 victoires 5 défaites Washington 2 victoires 6 défaites c'est l'équipe qui a le moins de victoires qui a le plus de chances dans sa division hein, dans cette opposition on rappelle que c'est plus Washington qui joue quelque chose euh, moi je vais le dire tout de suite je joue les Lions pour euh, la réaction euh, Matt Stafford une sorte d'attaque qui des fois peut faire des trucs bon euh, après attention Washington est 5 défense de la ligue sur les Yardankés c'est mine de rien ouais, ouais ouais il y a les retrouvailles entre Peterson et Washington il me semble euh, avoir vu également oui Bon, sait on sait-on jamais, hein on a vu qu'il est un peu orgueilleux le bonhomme, donc euh, mais bon, hein, il faudrait que l'attaque et la défense de Détroit euh, se réveillent un petit peu, surtout la défense. Ce serait bien qu'on joue à 11 de temps en temps, euh, même si ça peut paraître assez facile hein, vu la, le niveau de l'attaque offensive de, de Washington. J'y vais avec les Lions, ils sont quand même favoris, mais c'est vrai que ces dernières semaines ils montent pas grand-chose grand non plus, en tout cas moins que ce qu'ils pouvaient nous montrer en, en début d'année. Non, clairement, ce ne sera pas l'opposition phare de cette, de cette série 19h. Donc, Lions pour tout le monde. Brown, 5 victoires, 3 défaites. Texan, 2 victoires, 6 défaites. Euh, Nick Chubb est de retour normalement pour Cleveland. Donc, ça devrait quand même changer beaucoup de choses. A priori, avec Nick Chubb au sol et Miles Garrett, qui est aussi à 9 sacs. On a parlé d'Aaron Donald tout à l'heure quand on parlait des, des joueurs défensifs, qui devraient faire la chasse au Doshon Watson. Bon, Cleveland a l'avantage sur le papier. Oui, légèrement. Ouais. Comme tu le disais, si en plus ils récupèrent leur meilleur running back contre une défense qui, euh, au-delà du simple fait de se d'avoir vu JJ Watt euh, réaliser son centième sac en carrière, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à tirer de cette défense cette année, malheureusement, que ce soit contre la passe ou contre la course. Donc euh, voilà, on a, une, on a une attaque des Browns qui, sans sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, être hyper spectaculaire, est euh, solide sur le pass pro et euh, globalement inarrêtable sur le, sur le jeu à la course. J'ai du mal à ne pas voir les Brands s'imposer sur ce match-là. Les Brands pour moi aussi. Panthers, 3 victoires, 6 défaites. Buccaneers, 6 victoires, 3 défaites. Ça sent la vengeance quand même pour les Buccaneers après la rouste qu'ils ont pris contre Tampa. Euh, Christian McCaffrey en plus ne devrait pas être là pour les Panthers. Bon, ils sont quand même supérieurs dans tous les secteurs. Moi, ce ne sera pas une surprise de dire que je prends les Buccaneers, mais j'attends de voir si tu crois tellement à Matroul, Joe Brady et Teddy Bridgewater que tu peux pronostiquer l'upset de la semaine. Franchement j'aurais réfléchi si pas ne sortait pas d'une telle, <laughs> telle fessée cunue euh, je pense que Carolina peut leur donner un peu de fil à retordre mais qu'à terme ils vont quand même réussir à s'imposer à se relancer dans cette, euh, dans cette NFC euh, voilà. on voit qu'il y a un petit creux du côté de Carolina je pense que ça va repartir euh, incessamment sous peu mais là c'est pas le bon adversaire pour se remettre dans les bonnes conditions euh, donc euh, tant pas pour tout le monde Dolph euh, Dolphins 5 victoires 3 défaites Chargers 2 victoires 6 défaites c'est dimanche à 22h05 celui-là il me fait peur parce que c'est typiquement le genre de match que les Chargers peuvent aller chercher pour euh, donner un peu d'espoir à leurs supporters avant de mieux les poignarder dans le dos au cutter comme ça euh, pendant la semaine d'après en donc... plus c'est Tago contre Herbert quand même alors, c'est ça, il y a un beau match, Tago contre Herbert. Bon, après, il y a une opposition entre le probable coach de l'année et le probable pire coach de l'année. Donc, euh... <laughs> c'est bah, encore là, tu veux dire, parce qu'il y, y en a deux qui sauté déjà. C'est vrai, oui, en, en poste. <laughs> euh, bon, après, Adam Gaze est dans la course, mais bon, tu vois ce que je veux dire. <laughs> oui, oui, un peu. Ouais. Un peu. Euh, ouais, ouais, non, je pense que tu as, as globalement tout dit. C'est sûr que c'est un, ma un match où il y a une équipe à qui tout sourit depuis plusieurs semaines. Hein. Euh, non pas que ce soit qu'une question de chance mais en tout cas tout le réussit et puis une autre où il bah, y a toujours un truc qui, qui fait que ça ne tourne pas dans le bon sens donc c ouais c'est mais voilà les Chargers ça reste une équipe euh, voilà c'est alors, je sais pas si je dirais les Giants du riche. Je vais pas exagérer non oh, plus, oh, mais C'est dur. <laughs> oh, dur, il y a quand même plus de qualité. <laughs> en tout cas, c'est plus spectaculaire que les Giants. C'est ce que je veux dire. C'est les, les, les Giants restent dans les matchs, notamment grâce à la défense. Les Chargers restent dans les matchs grâce à leur attaque. Donc, c'est aussi ce qui fait que depuis le début de la saison, ils sont pas non plus largués euh, 9 fois sur 10. Et c'est ce qui fait que sur ce match-là, ils vont peut-être. En kikine, tu parlais d'une force contre force, la défense, contre, les déf défense de Miami contre attaque des Chargers. On mmh. peut quand même avoir un match-up assez intéressant. Mmh. Après, oui, d'un point de vue coaching, oui, c'est ça incite quand même à se positionner plutôt du côté des Floridiens. Je vais dire Dolphins aussi, mais je te dis, on va tous le regretter euh, dimanche soir, euh, <laughs> lundi matin, quand on va devoir mettre la case en rouge dans notre grille de pronostic et que les Chargers auront tapé ce truc-là. C'est bon, bon, dommage qu'on ne fait plus les YOLO, hein, on vous aurait dit les Chargers. C'est vrai. Ah bah celui-là, ouais, si vous devez jouer un YOLO, là, à mon avis, mettez les Chargers parce que je ne sais pas pourquoi. Je... Mais tu sais que j'étais presque à deux doigts de le pronostiquer, quoi, en mode. Euh... Hmm. Je ne sais pas. Celui-là, il me fait... fait peur. Bon. Raiders 5 victoires, 3 défaites. Broncos 3 victoires, 5 défaites. C'est un duel de division d'ailleurs dans la FC West. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup d'irrégularités et beaucoup d'erreurs face à Denver, enfin euh, de Denver, alors que les Raiders sont quand même plutôt sérieux et bien coachés depuis plusieurs semaines. Donc ça semble quand même faire tourner ça à l'avantage de, de Las Vegas. Ouais, j'y suis, la... suis allé avec Las Vegas. Euh, oui, c'est sûr qu'il y, un... y a un groupe qui reste encore très jeune du côté de Denver, à l'image de leur quarterback, hein, et où forcément, même quand on arrive à être dans un. Momentum relativement important, on n'arrive pas spécialement à capitaliser là-dessus. Donc, euh, ouais, non, non, je pense que, à l'expérience, euh, enfin, en tout cas d'un point de vue coaching, j'entends, euh, les Raiders devraient l'emporter et continuer sur leur, sur leur bonne série actuelle. Euh, oui, les Raiders pour moi aussi. Cardinals 5 victoires, 3 défaites. Bill 7 victoires, 2 défaites. Ça aurait pu être une affiche, ça va envoyer a priori offensivement. Ça va être plutôt spectaculaire d'ailleurs avec deux quarterbacks euh, plutôt fun à voir jouer. Quelle défense peut mieux le ralentir l'autre équipe Parce que c'est surtout ça les inconnus dans ces équipes. C'est des équipes très offensives depuis le début de l'année. Uh -huh. À qui la meilleure euh, défense J'avoue, c'est difficile à dire. Hein, mm -hmm. parce que Je parlais notamment du backfield défensif et des corners d'Arizona qui ne me rassuraient pas totalement. Hormis, hormis Peterson, bien entendu, euh, qui a sur des standards. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai qu'à part ça, ils ont quand même pas mal de joueurs un petit peu, qui traînent un peu la patte. Et c'est sûr que face à cette escouade de Buffalo qui a récupéré, en plus, on l'a dit, John Brown, ça donne quand même beaucoup de possibilités, beaucoup de solutions à, à Josh Allen. Euh, en enfin, face, je parlais du run-stop de Buffalo qui a récupéré des joueurs, notamment au poste de linebacker. Il y a toujours un Kyler Murray qui est capable de faire mal. Mmh. Donc c'est vrai que euh, c'est dans. Deux secteurs un peu différents. Euh, après, j'ai du mal à voir Arizona se prendre les pieds dans le tapis deux semaines de suite à domicile, même si l'adversaire, en l'occurrence, est, est de qualité. Euh, Buffalo a gagné sa victoire, on va dire, euh, au caractère contre Seattle, face à une équipe contre laquelle ils n'étaient pas favoris. Je vois bien Arizona faire la même chose contre, contre Buffalo et continuer d'espérer de, euh, au playoff, parce que mine de rien, une défaite, ça pourrait rapidement semer le doute. Mmh. Et un bilan de 5-4, euh, sachant qu'il faut encore que, que tu ailles jouer notamment euh, à Seattle, à Los Angeles, ça, ça, ça peut quand même faire un peu fâcheux. Ouais. Et ben écoute, moi, je vais rester sur Buffalo, parce que je vais essayer de croire au, au petit coup de mieux de Josh Allen la semaine dernière. Euh, il y a quand même des éléments défensifs pour éventuellement embêter Kyler-Murray, même si en effet ça a bien joué la semaine dernière. Je vais dire Buffalo, mais c'est pareil, c'est ce genre de match qui peut aller dans les deux sens. Dimanche 22h25, Saints 6 victoires de défaite, 49ers 4 victoires, 5 défaites. Bon, vu l'état des Niners, euh, en termes de blessures, on ne va pas refaire toute la liste, ils sont décimés à peu près partout. Je pense que celui-là, c'est un pronostic assez simple vers les Saints. Oui, oui, il euh, y a peu de choses quand même. Il y a un bon jeu au sol chez les Niners cette année avec ce qu'ils arrivent à avoir, mais le run-stop en face est, est dissuasif. Donc, euh, ouais, New Orleans en l'occurrence de mon côté. Rams, 5 victoires, 3 défaites. Sioux, 6 victoires, 2 défaites. On en a parlé dans la fiche de la semaine. On prend tous les deux les Rams. Steelers, 8 mmh. victoires, 0 défaites. Bengals, 2 victoires, 5 défaites, 1 nul. A surveiller la blessure de Ben Rothlisberger au moment où on se parle, c'est euh, petite blessure aux genoux, mais... aux deux genoux d'ailleurs. Euh, mais ils espèrent qu'il soit opérationnel. Euh... Ils ont déjà failli de lâcher un match contre une équipe faible la semaine dernière. Donc, a priori, là, ils devraient être concentrés. Ils ont la défense pour faire vivre un enfer à Joe Bureau. Si Ben Roethlisberger joue, a priori, c est, c est... ils sont ultra favoris. Ouais. Enfin, je vais être méchant, même avec Mason Rodolph. Je pense que tu as quand même moyen de battre Cincinnati. Je parlais d'un potentiel excès de confiance du côté de Dallas. Je ne les vois pas se louper deux semaines de suite mmh. contre une équipe à leur portée. Là, en plus, c'est Cincinnati, on sait qu'il y a, même si les années passent, on sait qu'il y a quand même un petit historique qui dure, notamment de la période, période Marvin-Lewis. Voilà, on sait que c'est rarement une équipe que les Steelers jouent à la légère, à domicile, face à une équipe qui est quand même assez faible, je trouve, sur la ligne offensive et sur le run-stop. Bon, je pense que c'est quand même des armes sur lesquelles Pittsburgh peut, peut exploiter. Euh, c'est des failles que, que Pittsburgh peut exploiter pour s'imposer, peut-être pas avec 20 points d'avance, mais en tout cas s'imposer de manière relativement confortable. L'arrivée de Tack McKinley à Cincinnati, ça ne change pas la défense. Pour toi. Je ne pense pas <laughs> qu'il peut aller chercher ce match. C'est pas bien de troller là. <laughs> euh, Pittsburgh pour tout non. le monde, si j'ai bien. juste si tu me permets, j'ai juste une petite parenthèse de 5 secondes mais ouais je, je le redis, je redis ce que j'ai dit sur le chat interne du site mais euh, se débarrasser de Carlos Dunlap pour récupérer un joueur comme Tech McKinley, nouveau move euh, hyper créatif de Zach Taylor donc euh, voilà continuez comme ça il n'y a pas de, il y a pas de, de souci donc euh, je vois pas trop ce qu'il pourra leur apporter mais pourquoi pas, bah, il est plus jeune. Il est plus jeune mais il a beaucoup moins de talent à mon sens. C'est vrai aussi. Euh, donc les Steelers pour tout le monde. Patriots 3 victoires, 5 défaites. Ravens 6 victoires de défaites. C'est dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. Est-ce que les Patriots peuvent jouer un mauvais tour défensif à Lamar Jackson Parce que euh, notamment, alors une déclaration étonnante de la Jackson que vous pouvez lire sur le site, euh, qui disait, la défense voit nos jeux, connaît nos jeux et euh, je les entends de temps en temps sur la ligne de scrimmage dire, là bon ça va être une course, là ça va être ceci, là ça va être cela. Ce n'est pas tout à fait des déclarations qui sont rassurantes en NFL, euh, sachant qu'en plus, tu joues Bill Belichick, qui déjà à la base connaît tes jeux hein, offensifs. Je veux dire, euh, mm -hmm. donc, donc, déjà, lui trouve un moyen de les connaître. Donc, si en plus, là, tu te dis que les autres équipes connaissent, ça veut dire que Bill Belichick il les connaît même avant qu'ils soient appelés. Euh, voilà, C'est quand même embêtant. Euh, alors, je ne pense pas, pour revenir sur ce match, évidemment, que les Ravens soient, soient inférieurs aux Patriots actuellement. Mais. Non. Sont, c'est juste pour parler globalement de Baltimore. Je trouve ça inquiétant d'entendre ce genre de déclaration-là d'un joueur qui est en troisième année. Quoi. Oui, oui. Enfin, j'avoue que j'ai du mal à comprendre parce que alors. Que en fait, j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'ils appellent les jeux qui vont être faits, ou est-ce qu'ils appellent éventuellement la directe, comme comme on peut le faire des fois sur les terrains français où on fait oh, course, passe, tout ça. J'ai du mal à comprendre exactement parce que si s'étonne que les défenseurs euh, puissent savoir que ça va courir du côté de Baltimore. Là, elle est vraiment tombe parce que euh, on peut Alors... pas le dire non plus. Il, il, il me semble que il y avait aussi les, les propos de Jesse Bates, le, le safety de Cincinnati, qui était relayé. Où il expliquait que de toute façon, euh, c'était ou Marc Wiesbrowne ou, oui. ou Marc Andrews. Enfin, voilà, encore une fois, c'est ce qu'on essaye de dire de manière sans être trop caricatural ou trop sévère avec Lamar Jackson, parce que c'est un joueur qui en effet euh, progresse malgré tout. Mais à un moment donné, progresse jusqu'à quand C'est là aussi et voilà d'avoir avoir des grilles de lecture préférentielles ou un système offensif qui permet de faire briller, c'est une bonne chose. Sauf que là, il y, un, il y a eu une intersaison avec des pertes importantes. Tu l'as rappelé notamment en plus il y a le fait que Ronny Stalnes se soit blessé récemment et soit out jusqu'à la fin de saison. Euh, voilà. Après, euh, c'est pas non plus une découverte qu'il y ait des coordinateurs défensifs qui se soient dit ah bah c'est peut-être pas très très varié ce qu'on voit en face quoi. Donc euh, bon, c'est un peu c'est un peu étonnant comme déclaration en effet. Surtout quand tu vas jouer, quand tu vas jouer New England et une défense plus que solide. Après, en aparté, euh, il parlait un peu dans sa barbe dans l'interview. J'ai eu un mal fou à traduire. Euh, mais, euh, mais, oui, non, il avait l'air de dire que, un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que les mecs en face peuvent voir si ça va être passe ou course quoi. Mais, euh, mais bon, comme tu as dit, c'est pas follement varié. Ça va à peu près sur qui ça va jouer même quand c'est une passe. Donc bon, ça c'est, ça c'est compliqué. Après, encore une fois, pour revenir sur ce. Ça, c'est peut-être un problème de fond. En playoff, ça risque d'être encore à nouveau problématique. Là, sur ce match, euh, bon. Les Ravens euh, jouent les Patriots qui sont dans le dernier tiers de la ligue contre la course, donc ils devraient pouvoir courir. Mmh. Et leur défense, avec Marlon Humphrey qui revient, puisqu'il est revenu, euh, il est sorti de la liste Covid, ils vont euh, jouer face à Cam Newton qui a quasiment pas de cible. Euh, qui... Jacoby Meyer, ça fait un bon match, euh, superbe. Mais bon, ils vont jouer Marlon Humphrey, Marcus Peters C'est 3 pas. touchdowns, 11 interceptions, les Pats euh, offensivement cette année, la passe. Il me semble euh, hein. c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible parce qu'ils marquent beaucoup au sol, hein, de toute mmh. façon. Euh, Mais les, oui, oui, je que ce soit je Newton le ou, ou les coureurs, ouais. ça se finit souvent au sol. Je le disais, pour moi, le, le run stop est un peu plus dissuasif encore du côté des de Ravens que que le jeu contre la passe. Donc, franchement, oui, c'est sûr que là, du côté de New England, on va essentiellement, je pense, marteler au sol. Ça, ça, peut, ça, peut poser problème, ça, peut, ça peut poser problème à la longue tu vois on se, se posait la question mmh. sur le Rams si haut que je suis pas sûr qu'on ait 60 points sur ce match-là par exemple là. non probablement pas euh, deux touchdowns pour Cam Newton un pour Jared Stidham à la passe donc ça fait 3 et euh, sept interceptions pour Newton une pour Brian Hoyer trois pour Jared Stidham qui font 11 ouais. donc on est bien à 3-11 dans les airs pour les Patriots en effet on est un peu loin de la période Tom Brady un peu <laughs> en termes de ratio, euh, donc ça donne Ravens pour tout le monde, oui, Baltimore pour moi aussi. Et le match du lundi soir, c'est-à-dire dans la nuit du lundi à mardi à 2h15 du matin, Bears 5 victoires, 4 défaites, Vikings 3 victoires, 5 défaites. Sur la tendance du moment où il n'est pas si facile que ça, celui-là à pronostiquer, c'est une rivalité de division. Les Bears ont quand même une excellente défense, donc on peut quand même se dire que s'ils arrivent à contenir Dalvin Cook, ils peuvent mettre en difficulté Kirk Cousins. Mais la question c'est de savoir s'ils peuvent marquer assez de points derrière pour gagner. Ouais, ouais. Alors après, le point d'interrogation, ouais, c'est parce que on sait que l'attaque de Minnesota, en effet, tourne un peu mieux, notamment bien entendu son running back, que la défense de Chicago depuis plusieurs semaines est beaucoup, beaucoup mieux. Donc ça, c'est sûr que ça va être un force contre force. Après, euh, ouais, ouais. Moi, j'ai un point d'interrogation, c'est de savoir que vaut concrètement cette défense de Minnesota. Mmh. Euh, on a vu qu'ils ont laissé partir Yannick Ngakwe, euh, qu'il y a forcément un pass rush. Euh, qui joue de manière un peu moins expérimentée, un backfield défensif, là on n'en parle même pas, hein, même s'il euh, y a un Jeff Gladney qui montre de meilleures choses ses, de, sur ses dernières sorties. Ça reste quand même, euh, c est, c est, ça tient quand même à, à un fil, et je me dis quand même que Chicago a les moyens sur ce match-là de, de relancer la machine. Euh, Minnesota n'est pas non plus une force imprenable hein, même s'ils ont réussi un coup de force du côté de Green Bay en sortie de Bay week. Mm. Euh, je verrais bien Chicago sur ce match-là réussir à s'imposer mais tu le disais, hein, franchement une victoire de Minnesota pour, pour se rapprocher en plus des Bears ne euh, serait pas non plus euh, totalement utopique Moi je veux dire les Vikings sur la tendance du moment parce que les Bears arrivent vraiment à rien mais comme tu dis ça va être vraiment force contre force donc euh, si la défense des Bears euh, arrive à, à forcer euh, Cousins à lancer le ballon euh, ça peut vite être un autre match ça, et, et ça y aura, pas, y aura probablement pas beaucoup de points. Donc, si un taureau défensif déberce, par exemple, bah, ça, ça peut faire basculer, euh, ça peut faire basculer cette rencontre. Je vais dire Vikings, encore une fois, mais sans être trop convaincu. C'est vraiment des matchs euh, un peu piège. Je précise qu'au repos cette semaine, nous avons les Jets, les, les, les Jets, pardon, avec un J et les Chiefs. Après, avec un CH. Voilà, j'avais mélangé. Donc, les Jets, les Chiefs, les Cowboys et les Falcons. On, passe à, vos... <laughs> On passe à vos questions. Vos questions cette semaine, celle du site. On commence avec Paul Cardon qui nous demande en cas d'égalité au bilan de fin de saison quels sont les critères qui permettent de départager deux ou plusieurs franchises. Du coup, si les Jaguars et les Jets terminent à un 16 qui obtiendrait le premier choix? Alors, on départage plutôt dans l'autre sens. Hein, on, c est, c est celles qui sont, enfin, il y a des, des, des critères pour départager et faire en sorte le classement dans l'ordre, c'est-à-dire du plus fort au moins fort, et ensuite on prend la draft, on fait dans l'autre sens, si on est d'accord. Je ne sais pas si j'étais clair. Ce euh... <laughs> n'était pas, pas fluide au premier, <laughs> du premier coup. Mais il euh, bah, y a un point fondamental, en tout cas, qu'il faut voir au niveau des égalités. Ce n'est pas toujours ce qui est pris en considération, mais c'est ce qu'ils appellent la force du calendrier, mm. euh, où on prend le, le, niveau, le niveau global, le niveau comptable des équipes qu'ils ont affrontées sur, le, sur la campagne en cours. Et du coup, bah, on établit éventuellement ce qui, ce qui rend... Plus ou moins légitime le fait qu'ils ont eu cette fiche là. Si si on prend l'exemple des Jets et des Jaguars, je dis ça totalement au hasard. Hein. Si les Jets ont joué que des grosses équipes et finissent à 1-16, ce sera toujours plus mis en avant que si les Jaguars ont joué des équipes pourries et finissent à 1-16. Donc les Jaguars seront numéro 1 de la draft par rapport à ça. Alors, euh... je, je vais vérifier sur, parce que je vérifiais, moi, je, je m'étais gouré, j'avais regardé euh, pour, pour préparer ça les, les procédures pour départager les équipes prétendantes au playoff, mais en effet, pour la draft, c'est pas tout à fait la même chose. pour la draft, c'est la force de, de calendrier en 1. Ouais. Euh, ensuite, si euh, des équipes de la même division, ce sont les, les, les critères pour dé départager les playoffs qui sont utilisés, c'est-à-dire bilan dans la division, euh, bilan dans la conférence, etc. Euh, donc c'est d'abord dans la même division. Ensuite, si elles sont dans la même conférence mais pas dans la même division, c'est les procédures pour départager euh, les équipes, euh, selon les, les procédures pour départager les équipes en playoff de la même conférence. Je vais y arriver. Euh, et donc, si deux équipes qui ne sont pas dans la même conférence restent... Il y a une série de, de choses pour les départager qui peuvent être le face à face si elles sont affrontées, euh, la, le pourcentage de victoires sur les, les matchs communs, c'est-à-dire quand elles ont affronté les mêmes équipes, le pourcentage de victoires sur ces matchs-là, euh, et ensuite la force des victoires. Donc ça c'est la les victoires, euh, on, on prend le bilan des équipes qu'elles ont battues et on voit qui a battu les meilleures équipes. Voilà. Mais comme tu l'as dit, c'est la force de calendrier qui est prise en 1 et en général, euh, on a rarement au, au, puisque c'est calculé au dixième ou au centième près, on a rarement la même. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même des cas de figure où on se retrouve avec des tirages au sort pour déterminer. Alors, je parle plus de la draft en l'occurrence, hein. bien oui. entendu, pas des playoffs. On a toujours à la draft, par exemple, des cas où on se retrouve avec des tirages au sort, mais ça, ça a surtout été pour des des qui aura le 11e ou le 12e spot, par exemple. Mmh. Même dans mmh. ces cas de figure-là, avec tous les scénarios possibles qu'on a mis dans les règlements, on peut malgré tout se retrouver avec des cas de figure où bah, c'est des équipes qui ne sont pas dans la même conférence, qui n'ont pas forcément joué les mêmes équipes. Donc euh, voilà, mais tu as tout bien résumé, globalement oui, il y, y a tout un tas de critères qui permettent quand même malgré tout de ne pas se retrouver euh, le bec dans l'eau avec des avec deux équipes qui, euh, qui, ont, qui ont les mêmes prétentions. Hein. Voilà, donc pour, pour faire une réponse simple, en tout cas, c'est la force de calendrier qui est le premier critère de départage de, pour départager deux équipes à la draft. Euh, ben LBA, euh, la bière autrement qu'on salue, qui m'a envoyé plein de bières pour le fauteuil. Euh, quand on compare la façon de gérer les trades entre la NBA et la NFL, on remarque que très peu d'équipes de foot US échangent des joueurs et privilégient les tours de draft. Pourquoi cette différence Bon, ça, on, on en a quand même parlé souvent, on va, on, on va, on va redonner les basiques, mais c'est que, un, euh, c'est moins facile peut-être d'intégrer un joueur en cours de saison. On peut, mm -hmm. on peut dire ça par rapport à une équipe de basket où faut, là il faut absorber un playbook il faut absorber quand même pas mal de choses Oui, bah t'as sans doute raison moi après j'aurais plus été sur une logique de cap notamment euh, mm. c'est toujours euh, comment dire c'est toujours différent parce que quand intègres, quand as besoin d'une rotation euh, pouvant aller jusqu'à une douzaine de joueurs déjà récupérer un joueur ça te permet quand même d'avoir déjà une rotation un peu plus établie alors que, bon, récupérer un joueur. Alors, après, ça dépend de quel joueur on parle, hein, mais tu auras quand même énormément de besoins à côté. Et, euh, voilà, pas... et Alors, puis la draft en NBA me paraît pas non plus aussi importante qu'en NFL. Je pense qu'en NBA, très... il y a un clairement. tour exclusivement. C'est très clairement rare les, les bons joueurs qui sortent du. Non, non mais je veux dire, c'est très rare les bons joueurs qui sortent du deuxième tour. Ah oui. Les récents exemples, tu as des Diamond Green Je sais pas si Rajon Rondo était le deuxième tour, mais c'est très, très rare les, les bons joueurs qui sortent du deuxième tour. Si tu te concentres essentiellement sur le premier, euh, alors qu'en NFL, euh, bon voilà, tu as quand même au moins 3-4 tours pour trouver des joueurs assez intéressants, donc ça, ça, ça peut éventuellement jouer dans la balance et ça permet encore une fois de gérer un cap euh, de manière un peu plus soft. Parce que bon, 53 joueurs, euh, même avec des caps qui explosent ces dernières années, ça changera peut-être l'année prochaine en l'occurrence. Mais euh, ouais, c'est quand même une petite mission et c'est peut-être aussi pour ça que c'est privilégié. Rondo fait un fin premier tour de mémoire, mais tu as El Manou, ou au deuxième tour. Oui. Euh, tout de par contre, une grosse différence qu'on ne mentionne peut-être pas assez, c'est qu'en NBA, les contrats, ils sont garantis. Donc, quand la saison est lancée, des free agents, tu n'en as plus. Alors, alors qu'en NFL, là, on l'a vu, tu peux récupérer un Tac McKinley euh, en, en milieu de saison. Alors, évidemment, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais il y a beaucoup plus de turnover sans avoir besoin d'échange en NFL. Donc mm -hmm. euh, tu peux signer des mecs dans le practice squad d'une autre équipe, tu peux euh, attendre que ce soit coupé, il y a des coupes juste avant la saison, euh, alors que la free agency était il y a six mois, mais t'as encore une grosse vague de coupes avant la saison. En NBA, les mecs, qui sont bloqués, des fois ils ont des contrats de 5 ans. Donc le seul moyen de t'en débarrasser, c'est de faire des échanges. Donc je pense que c'est aussi ça qui fait que, que ça change beaucoup. Euh, Bertrand qui nous demande, j'ai entendu dans un podcast qu'un running back ne pouvait pas emmener une équipe au Super Bowl en voyant les prestations d'Alvin Cook ou Alvin Kamara S'ils étaient dans une meilleure équipe, pensez-vous qu'ils le pourraient Fans des scènes ils en tout cas. <laughs> oui, c'est vrai que là, il peut pas être dans beaucoup mieux, euh, Alvin Kamara. Ouais, ouais non, je. Dalvin Cook, bon, ça peut s'entendre vu la situation, mais bon, Alvin Kamara, il est juste à 6-2, hein. <laughs> C'est vrai. <laughs> non, mais tu vois, moi, je pense que euh, si je peux me permettre, la réponse est plus ou moins dans la question, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire gagner un Super Bowl, au sens où justement, on le voit, faut... Dalvin Cook, il faudrait qu'il soit dans une meilleure équipe, mais, mais... qu'il ait un vrai quarterback, un vrai franchise quarterback. Après, après, tout dépend ce qu'on entend, ce qu'on entend par ça. On le dit souvent, il hein, n'y a pas de vérité absolue. Hein. Une équipe comme San Francisco, ils vont au Super Bowl, avec, pas forcément avec un super coureur, mais en tout mmh. cas avec un jeu au sol et une ligne offensive qui font qu'ils qui sont tout simplement inarrêtables. Euh, pareil, quand, quand Seattle, à l'époque, gagne le Super Bowl, certes, ils ont une énorme défense, mais ils ont aussi mmh. un énorme running back qui leur permet de, de tout casser sur son passage. Donc... Je, vois, je sais pas. Je sais pas si c'est une vérité absolue, mais euh, oui, forcément, il faut beaucoup de. Il faut. Il faut forcément un autre paramètre euh, autour pour permettre à l'équipe d'être compétitive, mais euh, c'est pas forcément le fait d'avoir uniquement un bon running back qui condamne l'équipe, à mon sens. Mais moi, c'est. À la limite, la nuance, c'est que tu parlais des comités de coureurs. Un, le jeu au sol peut te faire gagner le Super Bowl, mais pas un coureur en fait te fait gagner le Super Bowl. Ça, oui, pas obligé oui sans, un doute, sans doute. Ouais, ouais, sans doute. LOS 75, la Ligue NFL se veut être un show, un spectacle avant tout, elle essaie de faire des efforts de communication dans ce sens. Dès lors, comprenez-vous qu'elle nous diffuse pour Thanksgiving un Lions Texan et un Cowboys non Name team pour cette journée si spéciale au cœur des Américains La tradition est-elle si ancrée qu'on ne peut pas s'en écarter pour assurer le spectacle et donc le financement Et même si des accords ont été passés avec ces équipes de la CD3, quel est l'intérêt pour celle-ci de, euh, de se montrer en ridicule sur cette journée familiale Oui, alors c'est sûr que les Cowboys et Lions à Thanksgiving tous les ans, c'est pas forcément de première qualité. En général, les Lions ouvrent le bal. Donc on se les on se les envoie à 18 h tous les ans. <laughs> T'allais les dire autre chose non <laughs> T'as fait... utilisé un terme plus en rapport à la dinde non Oui j'ai dit on s'est farci <laughs> oui. <laughs> euh, mais non mais bah après, oui, c'est la tradition pour le coup. Après, Dallas fait de l'audience, hein, quoique même si ah oui, bah, bah, hein, oui. Euh... oui, oui, bon, c'est plus contestable sur trois. Après, euh, poser la question, est-ce que les traditions sont aussi sacrées aux États-Unis euh, Je rappelle qu'il y a toujours le port d'armes, euh, qu'on <laughs> qu ne touche pas à la constitution de, de la fin du XVIIIe siècle. Il y a beaucoup de choses qui sont très ouais. ancrées aux États-Unis. Donc, euh, Mais... je pense que la tradition de Thanksgiving où on voit jouer les Lions, mmh. ça ne va peut-être pas s'arrêter tout de suite non plus. Hein. Mais tu sais que comment dire on... C'est ce qu'on m'avait dit la première fois que j'y suis allé. On m'avait dit :« que Tu verras, c'est le pays où le plus moderne côtoie le plus archaïque. Mm. » Et c'est pas tout à fait faux. Je... Ah, c'est même totalement vrai. De bah, toute façon, on l'a vu lors des dernières élections. Mais hein, ça. Il y a beaucoup de choses très modernes et très archaïques ça. dans ce pays. On ne le, le découvre pas. Hein. Les mecs votent à la fois sur des machines automatiques et par courrier. Donc euh, oui, non, non, encore une fois, peut-être que ça, ça peut changer à la longue, mais voilà, sur l'aspect purement tradition, oui, je pense que c'est quelque chose sur lequel ils sont très très attaché. Et je vais même dire, à la limite, on s'en fout presque du niveau des équipes aux États-Unis. C'est un passe-temps, un truc pour regarder pendant qu'on mange en famille. Donc, à la limite, vaut mieux que... C'est pour ça qu'on met principalement l'affiche en prime time, à mon sens. Pendant la journée, on ne va pas s'amuser à mettre un énorme match, même si même si ce serait peut-être plus intéressant. Mais voilà, c'est aussi pour accompagner les familles, peut-être, et que Détroit-Dallas, au final, même si ça fait de l'audience, Dallas, tu l'as bien dit, Détroit peut-être un petit peu moins. Bah au final oui on s'en contente parfaitement hein. allez question d'Arthur lutte euh, quelle est la meilleure équipe spéciale de la ligue selon vous merci mes petites cahiers, Lydia dit Arthur Ouf. alors là j'avoue j'ai pas ah, euh, moi je laisse répondre celui qui pense que euh, Mathieu Slater doit aller au Love <laughs> Fame. Personnellement, j'ai pas d'avis. C'est tous les mêmes. Ah <laughs> oh non. Je <laughs> troll. Non, peu. tu peux dire ça je Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Je, euh, je sais pas. Franchement, j'ai pas, pas creusé la question à ce point-là. Euh, les équipes spéciales, j'ai juste balayé rapidement. Euh, il me semblait que l'école, c'était pas pour rien équipe spéciale. spéciales. Moi, euh, Miami, c'est pas mal. Hein. Bah, voilà, ils ont un bon, dire, ils, euh... ils, ils ont un bon kicker. Euh, jackie M sur retour de coup de pied, c'est solide aussi. Bon allez, je te dirais Miami comme ça, mais encore une fois, j'ai pas non plus euh, creusé le sujet de, de manière approfondie. Euh, en bref, Fidel Gastro qui nous demande au vu de la performance des Jets ce week-end, pensez-vous que Gates soit assez fou, suicidaire pour euh, Il a dit un autre chose, mais c'est un gros mot et je veux pas le dire. Pour nommer Joe Flacco titulaire et mettre Sam Darnold sur le banc. Soit là, quand même. Je ne présage plus de rien avec Adam Gaze en l'occurrence, donc euh, peut, on peut aussi dire ça. Il ça. peut nous expliquer que c'est la faute de, ma, de Sam Darnold, hein, mais bon vrai. Je, ce sera difficilement euh, audible. On peut aussi voir ça comme ça. Baptiste, ce week-end, on a vu tant de faire claquer les fesses, c'est les Steelers ça avoir plus de mal que prévu contre les Cowboys. Les Ravens inefficaces pendant trois temps, les Seahawks en et une valise de points. Je n'arrive pas à savoir quel favori se démarque réellement des autres et semble avoir un vrai profil de champion. Euh, merci la team et courage Raoul pour la fin de saison des Chargers. C'est ce qu'il y a un vrai favori pour toi Moi, les Chiefs, hein, de toute façon. Oui, oui, de... je, te dirais, je, je te dirais plus les Chiefs. Hein, encore une fois, c'est pas plus mal hein, qu'on est qu au final des, des forces très très équilibrées. Ouais, ça va donner des playoffs très excitantes. Euh, après, oui, oui, les, les Chiefs me paraissent quand même se sortir un petit peu du lot avec les problématiques que j'évoquais euh, lors, lors de la review de cette semaine. Mais oui, potentiellement. Ouais. Euh, et puis la dernière question, elle est signée de demain. À mi chemin, il est l'heure de faire l'exercice du scénario fou pour cette fin de saison. Quel est le vôtre Alors ton Super Bowl fou. Mon Super Bowl fou, euh... bah, qui reste réaliste avec les équipes encore en lice, hein, par rapport à la situation actuelle. Mon Moi super... je le... Vas-y. Moi je te le dis de suite. Hein. Euh, on a un, un, un Super Bowl Raiders Buccaneers avec John Gruden qui retrouve les Buccaneers. Ah c'est tentant. Je, je pensais aux Raiders parce qu'encore une fois je l'ai dit ils ont un calendrier qui, euh, qui peut être assez sympa. Euh, après euh, ouais à part celui-là mais du coup les Raiders à bon, NFC à part Tampa. Euh... Je... Bah, après, si on veut faire un truc un peu fou, euh, bah forcément, tu mets une équipe d'NFCS. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les... Un, un Eagles Dolphins euh, au Super Bowl. Ouais, ouais, pourquoi pas. Il bon, peu... faut avoir envie de le regarder quand même un minimum. Mais bon, c'est vrai que. Ou un. Je ne sais pas, un Eagles Bills. Euh... Un truc dans le genre, je, ouais, ouais, je sais ouais. pas, je suis, un peu, je suis un peu partagé. Moi, écoute, je reste sur ma hype euh, avec un, un Raiders-Buccaneers. Euh, en plus, comme ça, John Gruden se venge euh, du, de Tom Brady indirectement. Tu vois, il n'est plus avec les Patriots, mais il, il, Alors, se... Il, il, il se, se venge, venge de la Tuck Rule. Il se venge de la Tuck Rule. Il fait l'inverse de ce qu'il a fait 20 ans avant, mais et oui. surtout, il bat en pas à domicile. Alors là, je pense que le... oui. ah, c'est la totale. Là, je pense qu'il peut reprendre sa retraite derrière. Ah ouais, celui-là, il me plaît. Il nous Tra sortir une maradona en conférence de presse. Je pense qu'on est pas mal. Tu imagines tous les gens qui vont faire des montages tu sais, avec Derek Carr plus fort que Tom Brady et tout. Sur, non, sur non, le tu le tu... non, tu m'as convaincu. Tu, tu, tu m'as hypé sur ce Raiders sur Burks. Euh, pardon, c'est pas un lapsus exprès. <laughs> sur ce, j'ai <laughs> même pas entendu. Sur ce Raiders Burks, si j'ai dit. <laughs> <laughs> c'est les, les restes du Fun Falcons qui parlent. Mais oui, c'est mais... excitant. Hein. Parce que j'imagine les gens aiment bien faire des photos, tu sais, avec un mec qui tient un bébé dans ses bras et coller la tête de Tom Brady dessus <laughs> quand il perd. J'attends les photos de Derek Carr avec Tom Brady dans les bras le lendemain du Super Bowl ou John Gruden ça pourrait être ça pourrait pas, pas, pas mal. Ouais. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 377 du podcast Jean lecture Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On a désormais les portes-clés qui se sont ajoutés à la liste de goodies pour nous suivre. Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu, Instagram à Jeune en entier, à Tiello Radio, ça pour Greg, sur Twitter, à Talamaté, pour moi-même et à TD Actu pour le site. Je l'ai déjà dit. Merci beaucoup Grégory. Toujours un plaisir. Et on se retrouve nous dimanche pour le foutoil de la dixième semaine. Ce sera à 18h sur notre chaîne YouTube. Et puis vous avez l'habitude ensuite mardi pour le débrief. Très bonne fin de semaine. Ciao ciao. Fameux pour JJ Watt, Bismol pour Marshall Lynch, Rocklace Global bécan Tom Brady quarterback, Calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.